C'est un jour nouveau qui se lève pour la Grèce, a dit le Premier ministre Papandréou. À Athènes, pourtant, l'optimisme n'est pas au rendez-vous. Les Grecs sont sceptiques vis-à-vis de l'accord trouvé par l'Union européenne et ils en veulent à leurs politiciens qu'ils accusent d'avoir mis le pays à genoux. C'est un accord bien sombre, la situation empire chaque jour, que Dieu nous aide. Tant que ces 300 politiciens seront au Parlement, les choses n'iront pas mieux. Ce sont eux qui nous ont mis dans ce pétrin, alors il y a peu de chances qu'ils nous en sortent. Le ministre des Finances et le Premier ministre devraient être pendus, ils ont vendu le pays jusqu'à la dernière île. Les Grecs le savent, le plus dur est encore devant eux. La dette doit être réduite à 120% du PIB d'ici 2020. Beaucoup d'efforts pour parvenir à un taux d'endettement encore deux fois plus élevé que le plafond fixé par le traité de Maastricht.